C'est un ascenseur? Vas-y, je prends l'ascenseur. Oh! Oh purée! J'ai failli crever en prenant l'ascenseur! Survivre à Godzilla. Je vais devoir survivre face à Godzilla qui menace de détruire tout sur son passage dans un laps de temps de 10 minutes. Mais comme d'habitude, ce n'est pas si facile que ça, car tous les bâtiments sont destructibles. Les maisons ou encore le centre commercial peuvent s'effondrer à tout moment. Et en deuxième partie de vidéo, je devrais survivre aux météorites qui tombent du ciel depuis le dernier étage d'un bâtiment qui lui aussi menace de s'effondrer. 10 minutes pour survivre face à Godzilla, c'est parti. Non, attends. Attends, ça compte pas les gars, je regardais qu'il marchait bien. Y'a Godzilla les gars, y'a Godzilla, il attaque. Oh, c'est impressionnant, attends, il faut que je me barre. C'est quoi ça, c'est une porte auto? Non, c'est juste une porte pour aller dans le jardin. Il fait trop peur, il est de sa gueule. Mais il détruit toute la ville, regarde ça. Vas-y, regarde, challenge. Je vais lui chatouiller le pied. Allez, hop, j'y vais, oula. Purée! Ah, attendez, j'ouvre la porte. Hop. C'est un ascenseur? Vas-y, je prends l'ascenseur! Oh! Oh purée! J'ai failli crever en prenant l'ascenseur! Vous croyez que si je reste dans la cuisine, je survis? C'est une mauvaise idée. Attends, on va. Ok, je me cache dans la cuisine. Il est en train de détruire toute la cuisine, Godzilla! Eh, il est vénère, hein. Regardez, il est là. Il m'a pas vu, je suis dans la cuisine, il me voit pas. Et il va me marcher dessus! Oh! Oh, oh, il est en train de se vénère, les gars. Ah, villa de youtubeur, quand même, là. Purée. Les gars, il va me buter. Hop, je vais dans la piscine. Non, je rigole. Okay. Oh, il y a une extension de la maison. Je vais essayer de rentrer dedans. Hop, attention, Godzilla, je passe entre tes jambes. Je cherche l'escalier. Il n'y a pas de panneau vers l'escalier. Oh, voilà. Parfait, c'est bien ici, là. C'est trop bien, il y a des voitures et tout. Attendez, je vais aller voir Godzilla. J'ai fait n'importe quoi, j'aurais pas dû faire ça! Oh purée! J'ai failli crever! Alors Godzilla, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il s'est bloqué, non? Il s'est coincé le pied. Bah, je vous en mets un deuxième, hein. Pas grave, les gars, ça devient un méga challenge, il y en a deux. S'il se casse pas la gueule, hein, bien sûr, hein, parce que là, Godzilla, j'ai l'impression qu'il va se casser la gueule. Hein. Regardez, Godzilla se casse la gueule! Incroyable, les nouveaux VFX, ce Godzilla! Attends, j'en remets un autre. Alors lui, il fonctionne par contre. Je vais essayer de survivre dans la maison, là, attends. Y'a un placard là-bas. Je vais me cacher dans le placard. Je peux pas. Eh monsieur, je vais dormir. Eh le chat, challenge, je dors ou pas? Oh, j'ai fait une vidéo 24 heures, je me suis remis face à Godzilla dans mon lit. C'est une très mauvaise idée. Le deuxième vient de se relever. Ah bah y'a que deux Godzilla maintenant. Oh purée, il est juste au-dessus. Il écrase la voiture. Il a failli me tuer deux fois quand même. Oh là là, il a failli m'écraser. Oh, la maison qui s'éclate. Oh, la maison qui se détruit. Allez, il me reste 2 minutes à survivre. Avec les deux idiots du village qui sont en train de se tirer dessus, bon, je pense que c'est bon. Tant que l'autre, il me rattrape, l'autre, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, et qui me chasse. Oh, l'ascenseur, je l'avais pas vu ici. Allez, go. Allez. Mais rentre dedans. C'était dans l'autre sens. Et non, ça marche plus. Allez, il reste 1 minute 30. Oh, je suis deg, j'aurais voulu monter à l'étage. Oh là là. Ça avait l'air vachement cool, c'était une boîte de nuit. Enfin, ouais, c'était bien une boîte de nuit. Ouais, vas-y, oh. Encore 1 minute. Eh, mais les deux sont là, en fait. Oh. Allez, c'est bon, c'est win. C'est win. Encore 30 secondes. Non, attends, il reste 30 secondes. Oh, je vais essayer d'aller là-bas. Oh, hop là, j'ai failli me prendre sa queue en pleine face. Non, 17 secondes. Non. Mais à 15 secondes. Il y a Godzilla, les gars. J'ai 10 minutes pour survivre face à Godzilla dans le centre commercial. Purée, mais il est en train de tout défoncer. Il défonce tout. Il est où? Oh, c'est violent. Heureusement que le centre commercial est très grand et qu'il y a plein de cachettes. Je vais essayer d'aller dans les locales. Ah, tiens, il y a un local ici, là. Vite. C'est une cabine d'essayage. Je me casse dans la cabine. Oh, c'est bon, Godzilla. Oh, Godzilla. Il a fait un trou. Je suis dans la cabine, il va me défoncer. Oh, c'est impressionnant. Oh, purée.
Non, je vais crever. Je vais crever. Et vas-y, il est en train d'arracher tout le centre commercial. Oh, il fait des trous partout, il y a du feu partout. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait à la Godzilla? Oh, je me suis... Ah, mais c'est sa queue, les gars, il m'a envoyé un truc avec sa queue. Ouais, mais... Eh, hey, je suis là, si jamais, hein. Je sais pas ce que tu vises là, mais... il bouffe le verre. Il est en train de manger le verre. Oh. Wow. Il me reste 8 minutes, attends, il a fracassé tout le centre commercial. À un moment, je vais me retrouver face à lui, il y aura plus rien dans le match. Les gars, il y a quasiment plus de bâtiments, regarde. Oh, je peux... Écoutez, je me cache là. Il y a moyen qu'il me voit pas ici. Oh. Alors là, par contre, hop là, attention Godzilla, je passe entre tes jambes. Je t'ai mis un petit pont. Oh, il me faut une nouvelle cachette. Le local à poubelle. Vite. Dans le local à poubelle, je pense que je peux survivre. Je barricade la porte. Non. Il a détruit la porte. Je suis mort. Oh, bien joué. Ah, je viens passer mon entretien d'embauche. Ah, j'ai vraiment hâte que le patron vienne me chercher. Oh, c'est quoi ça, les gars? Il y a des météores qui tombent du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh! Oh! Si ça touche le bâtiment, là! Là, je suis au dernier étage, hein. Va falloir que je commence à sortir. Oh! Oh, ça a tapé! Ça a tapé. Je sais pas où. Oh là là, ça fait... Oh là là, les gars, vite! Faut sortir du bâtiment, vite! Oh, c'est violent, ce qui se passe! Oh, ça vient de taper juste en dessous. Oh là là, regardez. À tout moment, il peut s'écrouler le bâtiment. Oh là là, le trou. Oh, le trou. Il n'y avait pas un bureau ici? Il y avait des gens qui travaillaient, non? Faut qu'on s'échappe. Oh. Oh, c'est violent. Regardez. On voit le vide. Faut faire gaffe de pas tomber, de se prendre un rocher ou un débris sur la tête. Oh. Quoi? Ouais, bien sûr, on veut pas se prendre un débris sur la tête. Ouah, c'est impressionnant, les gars. Oh, ouais, ça tape en dessous. Oh, j'aurais pu crever à tout moment, là. J'ai eu trop de la chance, hein. Mais regardez, c'est impressionnant, les dégâts. Alex, ton CV. Oh, mon CV. J'ai oublié mon CV. Faut que j'aille le chercher. C'est super important. J'en ai qu'un et j'ai plus d'imprimante chez moi. Oh, purée. Vite. Ah bah, y a plus le bureau. Je vais voler une imprimante. Oh là là, attendez. À tout moment, je me prends un truc en pleine tronche. Il n'y a pas une imprimante qui traîne là? Waouh! Oh waouh! Il faut vite sortir et ça devient instable. Waouh! Les gars, mais comment je fais pour redescendre là? Mais comment je fais pour descendre? Il n'y a plus d'escalier. Les gars, je peux plus descendre. Ah si, il faut que je descende là. Faut que je descende à l'étage d'en dessous là. Oh, c'est impressionnant. Le bâtiment, il est en train de s'écrouler. Faut que je descende dans les débris sans me casser la gueule. Attention, je descends. Oh, c'est impressionnant, ça fait flipper, hein. Ok, c'est bon, il y a les escaliers là. Faut enlever les débris. C'est bon, j'enlève les débris. Attention, ça devient très dangereux là. Oh, mais attends, la météore elle tire des mitraillettes ou quoi là? Oh, c'est impressionnant, n'empêche. Oh, les gars, c'est... Oh, et heureusement qu'on est descendu, on serait resté bloqué. J'ai oublié ma clé USB. Ok, faut que j'aille récupérer ma clé USB. J'ai oublié ma clé USB. Oh là là, il y a des débris partout là. Go, 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 go. Oh là là, là c'est dangereux ici là. Ça a bien tapé ici. Hein. Hop. Oh, il y a un trou. J'ai failli me prendre le trou. Et je tombe dans le trou. Eh oh. Oh purée, je me suis fait un peu fouler la cheville, mais c'est bon. Ah mais il y a plus d'escalier. Comment je fais là pour aller chercher ma clé USB moi? Je vais me faire un escalier. Ça se prend des bureaux, je me crée un escalier. Moi vraiment, faut que je récupère ma clé USB. J'ai les photos de mes chats dessus là et vraiment. Faut vraiment que j'aille récupérer ma clé USB là. Va chercher ta RTX. Vas-y, je vais chercher ma RTX. Non, on va redescendre. Oh. Oh, waouh. Oh. Eh mais j'ai fait trop le malin en fait. Mais je me casse les gars, c'est bon. 2. 1. C'est bon. Vite, je prends la porte. Je m'échappe. Regardez la gueule du bâtiment. Waouh, c'est impressionnant. Mais en gros, le T-Rex, il est complètement débile, regardez. Regarde le T-Rex le plus stupide de l'univers. Il se casse la gueule sur une voiture. Il est stupide. Qu'est-ce qu'il fait le T-Rex là? Oh là là, mais il a fait un de ses trous, il a mangé le bâtiment. Vite, faut que je me casse dans la maison. Oh mais ça fait trop peur, on pourrait tenter une survie avec le T-Rex. Hein. Les gars, il fait quoi? Il est sur la maison. Il est sur la maison, mais qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe sur la... Il s'est cassé la gueule.
Il s'est cassé la queue. Je vous ai dit, il est stupide ce T-Rex, il est. Mais qu'il est. Il a monté dessus, il a. Par contre, il est encore vivant, regardez.